Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour en apprendre davantage sur le plus puissant looper du monde, le Looperboard Dead Rush. À travers cette vidéo, nous allons explorer les différents écrans de menu pour le mixage, le réglage du panoramique, la gestion des effets et bien plus encore. Lors de la mise sous tension du Looperboard, le démarrage par défaut affiche une page avec la superposition des pistes. Commençons par ce menu. Cet écran est étonnant parce que vous pouvez voir visuellement vos formes d'ondes audio créées en temps réel pour chaque piste individuelle, ainsi que le nombre de boucles dans chaque piste. C'est formidable de voir où vous en êtes dans votre boucle, comme dans un DAW. En haut de la page, vous visualisez le tempo du projet sur lequel vous travaillez. Cette information très importante vous suit lors de la navigation à travers les quatre écrans principaux. Elle sera toujours là pour vous. Pour chacune des pistes, le Looperboard offre la possibilité d'ajouter une piste audio. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous serez invité à sélectionner la mémoire interne ou un périphérique de stockage externe, tel qu'une clé USB ou une carte SD pour l'import. Le Looperboard est livré avec de nombreux sons en interne. C'est génial pour l'apprentissage des fonctionnalités du Looperboard et pour construire vos premiers projets. À côté de l'information tempo, vous trouverez le nom de la boucle sur laquelle vous travaillez. On vous proposera de nommer une boucle si vous décidez d'appuyer sur le bouton Save pour sauvegarder votre travail. Vous pouvez accéder à vos différentes boucles sauvegardées en faisant glisser vers le bas le coin gauche supérieur de l'écran, ou en appuyant sur la touche Function, puis en sélectionnant la fonction Loop Select. En bas de l'écran se trouvent les sélections pour les différents modes de piste. Le Looperboard propose un choix étonnant pour créer votre propre style. De gauche à droite, vous avez d'abord accès au mode Fixed. Utilisez ce mode si vous voulez faire 4 pistes de la même longueur. Toutes les pistes seront de la même taille que la première piste enregistrée. Le mode Serial vous permet d'enregistrer, d'ajouter ou de jouer sur une seule piste à la fois. C'est pratique pour compiler les pistes que vous voulez dans un couplet, un refrain, un pont ou une fin de morceau, et que vous voulez des boucles de différentes longueurs. Le mode Sync est super si vous voulez 4 pistes avec des longueurs différentes, tout en les synchronisant les unes avec les autres. Vous devez d'abord enregistrer sur la piste 1, puis vous pouvez créer des boucles de la même longueur ou des multiples de cette longueur, qui seront automatiquement quantifiées et synchronisées avec la piste 1. Lorsque vous activez l'enregistrement, l'overdub ou la lecture d'une piste, l'action débutera lorsque la tête de lecture aura atteint la fin de la boucle et recommencera au début. Le mode Serial Sync est similaire au mode Serial, mais vous permet de garder une piste du looper en lecture à tout moment, tout en passant d'une section de morceau à l'autre sur les pistes 2, 3 et 4. Par exemple, une sorte de couplet-refrain et un pont, des trucs sympas quoi. Le dernier est le mode déjanté Free. Celui-ci est exempt de règles. Chacune des pistes du looper peut être de différentes longueurs et n'importe laquelle peut être déclenchée en mode enregistrement, overdub ou lecture, quand bon vous semble. Quand vous activez une piste pour l'enregistrement, c'est immédiat. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la piste reparte à zéro. À gauche des icônes mode se trouve un compteur affichant la position de lecture actuelle en minutes et en secondes. Sur le coin inférieur droit, vous trouverez la valeur de la piste la plus longue du projet en cours. Passons à la page du mixeur. Ces indicateurs reflètent les niveaux des pistes en cours de lecture. Vous pouvez sélectionner et faire glisser la ligne grise en haut de chaque piste pour régler le volume de ces dernières. C'est super fluide et très facile à utiliser. Sous chaque piste se trouve le nom de chacune d'entre elles et le nombre de couches qu'elles contiennent. Double-cliquez sur le nom d'une piste pour la renommer et la personnaliser en fonction de vos idées. Cette page est très simple et facile à maîtriser. Maintenant, vous pouvez taper sur l'icône du mixeur MIDI. Cette page fonctionne de la même manière qu'une table de mixage sur un DAW. Ici, vous pouvez régler n'importe quel volume de manière individuelle. Le panoramique de chaque piste, mais aussi le volume et le panoramique de la piste de clic et de piste d'accompagnement. Si vous double-cliquez sur un curseur de panoramique, vous zoomerez sur ce dernier pour faciliter les réglages fins. Vous pouvez utiliser vos doigts ou le bouton encodeur pour encore plus de précision. C'est très facile à faire. À droite de l'icône du mixeur se trouve une page FX. Ici, il est possible d'assigner plusieurs effets appelés rack d'effets à une entrée audio ou à des pistes du looper. Si vous choisissez une entrée audio, cela enregistrera l'effet sur la piste. Si vous avez choisi une piste, les effets seront alors post-fader et ne seront pas
enregistrés. Chaque rack d'effets est composé de plusieurs effets qui peuvent être édités individuellement et contrôlés sur la page d'édition du rack d'effets. Vous pouvez également y accéder en appuyant sur le foot switch FX. Pour ajouter ou créer vos propres effets personnalisés, sélectionnez l'icône « Plus » et choisissez le style d'effet que vous souhaitez. Il y a une énorme bibliothèque de pré-réglages orientés guitare, chant, batterie ou studio. Une fois que vous avez choisi un effet, vous pouvez modifier n'importe lequel des paramètres à l'écran pour créer le son que vous voulez. Si vous affectez un rack d'effets à différents canaux, vous pouvez les activer et les désactiver depuis un interrupteur. Il suffit d'appuyer sur le foot switch FX, puis sur n'importe lequel des commutateurs des canaux supérieurs pour les activer ou les désactiver. Vous pouvez voir s'ils sont allumés grâce à l'indicateur LED vert sur la piste correspondante. Nous explorerons la création d'effets dans une autre vidéo. L'icône des trois points en haut à droite de l'écran est similaire à celui du pedalboard ou du gigboard et permet l'accès aux réglages généraux. Mais ce qui est différent, c'est que vous avez des options pour définir le routage audio, les paramètres de vos boucles pour la création, la suppression ou l'édition de ces dernières, l'accès au menu de la piste d'accompagnement, l'import et l'export de boucles. On en reparlera aussi dans une prochaine vidéo. Je suis Brian Dead Rush et merci d'avoir regardé cette vidéo.